Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et je viens de bourrer mon micro dans cet épisode de Robocraft. Donc ce n'est pas grave, on va y aller, chers amis, on y va, on va se passer en Drive Robot, on va passer en Battle Arena toujours avec le même robot, donc SMG. On espère toujours choper le premier million pour choper donc aussi ensuite grâce aux différents RP qu'on aura chopé. Siège pour les MKX, donc les MK10, enfin non, justement pas MK10, les MKX qui sont en fait les Mega Bots. Donc voilà, ensuite, encore une fois, j'explique un petit peu ce qu'on va faire ensuite. On va essayer de choper 1 million, donc 2 millions au total, 2 fois 1 million, pour choper les deux méga SMG TX qui iront donc avec ce vaisseau, donc le MK10 Titan qu'on peut voir actuellement en image. On essaiera d'en faire un assez proche de celui-là. Voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est 2 SMG méga et 4 SMG normal. Voilà l'objectif qu'on va se fixer. Donc actuellement, il y a encore des problèmes de serveur sur le jeu. J'espère qu'on pourra tenir une partie complète. Et je vais faire une petite ellipse. Heureux, chers amis, c'est bon, on est bon. Nous voilà partis. J'espère que c'est une bonne journée pour jouer à Robocraft. Vu déjà qu'il y a des bugs, ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, on verra bien. Alors, certaines personnes m'ont demandé de faire des robots assez bizarres. Hein. On m'a pas parlé d'un robot. Un robot capable de transporter d'autres robots. J'ai pas trop compris à quoi ça correspondait. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Mais bon, on fait avec. Hein. Hop, nous voilà partis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors oui, aussi, je tiens à préciser quelque chose. Quand je dis que certains robots ne devraient pas voler et qu'on me dit « Ouais, mais regarde, il y a plein de thrusters. » Oui, mais physiquement, ça ne devrait pas voler. La seule raison pour laquelle ça vole parfaitement bien, c'est que le robot en question, enfin dans ce jeu, il n'y a aucune raison, enfin il n'y a aucun moyen d'avoir du carburant. C'est la seule et unique raison. Hop! Ah bah voilà! Soi-disant. A mon avis, vu la vitesse à laquelle on a été déconnecté du serveur, ça vient pas de ma connexion. Mais bon. C'est pas grave, hein. Je sens que ça va encore être une bonne journée pour jouer à Robocraft. Ah bah ça alors. Vous savez quoi? Je pense que je vais la remettre à demain, cette vidéo. Allez, à tout de suite. Guy, forcément, une journée plus tard, il y a encore le bug, hein. Regardez, d'ailleurs. We are experiencing some issues with our data providers. This should be... J'ai pas eu le temps de lire la suite. Mais bon, vous, je pense que vous allez pouvoir me faire pause dans la vidéo. Bon, bah écoutez, bah, je vais reporter ça encore une fois à demain. C'est le week-end, ils ont pas du tout bossé. Hein. Ils ont des problèmes de serveur, mais écoutez, bah non, c'est le week-end. On a rien à foutre, on a un jeu free-to-play, ils vont quand même jouer. Voilà, re, chers amis, est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci? Il n'y a plus le truc, il n'y a plus le problème apparemment, c'est plus marqué en tout cas. Donc on devrait pouvoir y arriver. Bon, est-ce qu'on va réussir à faire cet épisode? Ah, il s'est passé 4 jours. Hein. Ou 3. Ou 4, je sais plus, 3 ou 4 jours. C'est un truc de fou. Vraiment un truc de fou. Le jeu a été un joueur pendant tout un week-end en fait. Génial. Wouhou. Bon. Du coup, je vais tourner deux épisodes. Donc je vais prendre les deux vaisseaux d'ici. Si on arrive à faire une victoire sur cet épisode-là, je vais faire... je vais devoir prendre l'autre vaisseau pour le deuxième. Allez, c'est parti. Hop. Spitter Dam has begun. Bon. Alors. C'est la première fois que je commence de ce côté-là. J'avais dit dans le récent épisode que j'avais pas encore commencé de l'autre côté. Là, je crois que c'est la première fois. Ah, ils ont toujours pas rajouté le sprint. Hein. Oula, il y a des gens qui font de la... Ok. Ok, alors heureusement qu'il a dit Oula.
Aïe. Raté. N'inquiétez pas, je l'ai vu arriver l'autre trou du cul. Hein. Ah putain, non, je l'avais pas vu arriver. Complètement discret, complètement ninja, c'était cool. C'était presque cool, effectivement. Allons-y. Hop. C'est quand même très très lent. Je sais pas ce que vous en pensez. Il mérite un sprint. Bordel, il mérite un sprint. Je résiste plutôt bien. Hop. Essayons de faire le tour. Pousse-toi de devant, mon Dieu! Tu es à moi! Ça t'est fait? Ok. Parfait. Alors c'est un de nos joueurs qui s'est déconnecté, c'est cool. J'ai vraiment un manque de chance évident. Hop. Allons-y. C'est pas le plus simple à choper en plus, hein. Ils ont baissé les dégâts des SMG. Il y a une mise à jour, hein, du coup, suite au bug certainement. Je commence à me poser des questions. Hop. Non, on est à deux doigts d'y arriver. Mais non, mais vise le bon truc. Oh, ça pue. Si vous saviez comme ça pue. Mais qu'est-ce qui branle? Mais allez choper les points. Putain, il y a un point qui est hyper simple à choper, mais on l'a pas encore chopé. Mais what? What? Mais sac à merde. Mais sac à merde. Putain de sac à merde de île de merde! Mais c'est la première fois que je vois ça, je suis tombé sur le cul. Littéralement. Non! Mais choper les points, bordel à queue! Non, c'est vrai. Under attack, under attack. Putain.
Et elle est sur le point, ils sont en train de le baiser. Et voilà. Putain. Mais en fait, on est en plus moins nombreux qu'eux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On était moins nombreux de base. Et il y en a un qui s'est barré. On est 6 contre 8. Nom de Dieu, sa mère la pute. Discrétion. 10. Discrétion, je marche sur les murs, c'est cool. Je vais y arriver, je vais les baiser. Je vais choper le point qui me manquait. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Bah, j'ai plus d'armement. J'avais plus d'armement. Pouah. Non, recommence pas. Je suis tombé sur le cul, quoi. Incroyable. Et voilà, on a reperdu le point. Je me casse le cul pour avoir un point. Là, là. Mais what? Si ça passe. Si le mode ninja y passe. Rien à foutre, je tente, hein. En train de passer toute la map à pied, en passant en plein milieu. Ils sont tellement obnubilés par leur truc. Aïe, il me saoule ce truc là. L'équilibrage de merde. Putain. On a une équipe de passifs quand même, hein. Pas assez rapide avec ça, mon pote. Ouais, je sais pas ce qu'il faudrait. À vrai dire, je sais vraiment pas. Alors je crois le voir, mais est-ce que c'était pas plutôt une tache dans mon écran? Ce qui serait, dans tous les cas, la même chose. Pourquoi il fuit l'autre abruti là? Ah bah comme ça. Me v'la aider. Hop les, ça c'est fait. Donc je pense que là, on verra bien la prochaine fois ce que je reconstruirai avec le... avec ce robot, mais je pense que je vais le reconstruire et en faire autre chose. J'ai des petites idées sur ce que je peux faire, mais... on verra bien. On verra, on verra, on verra, on verra. Allez! Ouais, c'est pas trop mal, ça c'est stylé, ça ressemble à rien, mais ça doit être efficace, ça semble assez rapide en tout cas. Ah
Oh, il me saoule ce machin. Oh putain. C'est dégueulasse de se faire tout shot par ça, je suis désolé. C'est même pas censé voler quoi. Putain. Regardez ça. Ça peut venir vous buter chez vous. Voilà, regardez, voilà, je viens de repop. Je viens de repop ici. Il y avait 3 ennemis dans la zone. 3 ennemis dans la zone. Undo stress. C'est débile. 3 ennemis dans la zone de pop. Dont 2 ennemis qui peuvent me instant kill à cause de lames qui sont complètement pas équilibrées. Donc là c'est fichu. Et là il va me faire pop à 3 km. Voilà. Et là comme il y a 2 heals dans la zone, et bah ils sont intuables. Parce que si on focus sur les heals. Et là c'est fini. Voilà. Voilà. Génial, il nous reste même pas un truc. Donc moi je reste là pour je reste là pour le baroud d'honneur. Et je sens que j'ai pas tourné la deuxième vidéo aujourd'hui. Ce jeu commence à me faire vraiment rager fort, hein. C'est d'une violence. Je vais tourner des Dangerous aujourd'hui parce que justement la mise à jour n'est pas sortie. Enfin la bêta est pas sortie alors qu'elle devait. Putain mais sortez pas des dates de bêta si vous êtes pas fichu de les faire correspondre à la vraie date quoi. Enfin je sais pas. En fait on a une équipe de véhicules lents et ils ont une équipe de véhicules rapides. Donc forcément on est désavantagé. Oh, c'est débile. C'est débile. Ouais, Roblalo l'autre abruti. Raté. Putain. Je l'ai eu. Je m'en fous, je l'ai eu, regardez. Holy Star classique. Je l'ai eu. C'est une défaite. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Putain. Allez, charge, ça y est. Oh putain, 112 000, wouhou. On est toujours pas passé au million. Moi je pense que je vais pas jouer une autre partie, je vais finir cet épisode. Je vais en monter un autre vaisseau, et on verra bien ensuite. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et toc.